Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, celui qui s'est écrié à la croix, tout est accompli. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du vendredi 14 juin 2024, c'est celui de 2 Corinthiens, le chapitre 9, versets 1 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 15. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Nous ne cesserons de te dire merci, toi qui nous aimes et qui prends soin de nous. Notre Père, tu es tellement bon que tu as des conseils avisés pour nous chaque jour. Nous sommes rassemblés autour de ta parole. Donne-nous la compréhension de cette parole pour que ton but soit atteint dans nos vies. Merci, Père, de le faire au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 15, c'est le texte de la méditation du vendredi 14 juin 2024. Nous faisons la lecture du texte. Quant au secours même destiné à ceux qui, en Judée, appartiennent à Dieu, il est superflu de vous en écrire davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens en leur disant « En Achaïe, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point et que réellement vous soyez prêts, comme je l'ai annoncé. » Verset 4. « Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouvaient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ces frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé. » Verset 6. « Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents, il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi, avec largesse, toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riche de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Verset 12. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement
de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle du Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Verset 15. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 15, c'est le texte de la méditation du vendredi 14 juin 2024. Le texte nous parle d'une collecte qui est organisée en vue d'aider des bien-aimés dans le Seigneur. Et ces bien-aimés sont les chrétiens de Jérusalem. Et Paul est à la manœuvre en tant que personne ressource dont Dieu s'est servi pour bâtir ses églises, pour créer ses églises, principalement celle de Corinthe, pour la collecte des dons en faveur des frères de Jérusalem. Et Paul, en parlant de ces dons, de cette collecte, il rend témoignage de ce que des bien-aimés se sont disposés et ont fait preuve de sacrifice pour que ce besoin soit comblé. Il rappelle à partir du verset 2 de notre texte, la bonne disposition de l'église de Corinthe. Il rappelle que le témoignage de leur disposition est parvenu jusqu'à Macédoine. Il rappelle que pour cela, il n'a pas de doute que ses frères répondront favorablement à cette collecte. Il ne va pas lui-même. Il envoie donc des personnes ressources, des personnes dont il a jugé nécessaire de mener ses actions parce qu'il leur fait confiance. Chers frères, chères sœurs, les propos de Paul nous donnent de comprendre que le témoignage du nom de notre Seigneur, quand il est préservé, il est une source de motivation pour les autres membres du corps du Christ. Et ce témoignage donne justement de poser des actes et d'être sûr qu'en retour, des résultats probants seront obtenus. C'est donc un exemple à suivre que d'entendre Paul raconter ce témoignage de l'église de Corinthe. Ses frères qui devancent Paul pour la collecte promise par l'église sont des personnes dignes de confiance. Oui, il est important que nous notions que ces personnes sont des personnes choisies, dignes de confiance. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Dieu peut-il te faire confiance? Dieu peut-il te faire confiance? Il attend de toi que tu lui prouves qu'il peut te faire confiance. Cette action de lever des fonds montre bien la solidarité entre les frères. Et
C'est aussi là un moyen par lequel nous exprimons notre amour les uns envers les autres. Sommes-nous solidaires des difficultés, même des souffrances de nos frères et sœurs? Sommes-nous solidaires des difficultés, des problèmes auxquels sont confrontés nos frères et sœurs? Sommes-nous solidaires les uns envers les autres? Paul rappelle, à partir du verset 6, que l'expression de la générosité des chrétiens de l'église de Corinthe n'est pas vaine. Oui, elle n'est pas vaine. Et il rappelle un principe important au verset 6. C'était une citation libre d'après ce que Paul nous dit. « Celui qui contribue généreusement à la collecte en faveur de Jérusalem, c'est un moyen pour lui de semer. » Oui, chers frères, chères sœurs, comme l'exemple de l'agriculteur qui sème, contribuer, participer généreusement à aider les frères, les sœurs, c'est une semence. Et à semence parcimonieuse, récolte maigre. Mais à semence généreuse, moisson abondante. Paul rappelle que toute générosité produit des fruits. Quelle est la quantité de fruits que produira ta générosité? L'abondance de ta générosité donnera de porter d'abondants fruits. Que chacun donc donne ce qu'il a résolu dans son cœur, sans regret ni tristesse, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu ne contraint pas. Donner sous la contrainte n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous donnions avec joie, sans contrainte ni tristesse. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, ce principe est d'autant plus important qu'il nous donne de comprendre que ce que Dieu recherche en fait, ce n'est pas tant nos actes stéréotypés comme des robots obéissant à des injonctions de personnes qui sont au-devant de nous. Non, ce que Dieu regarde, c'est l'état de notre cœur, c'est la disposition de notre cœur. Comment donnes-tu, comment apportes-tu dans le service pour Dieu, dans l'œuvre de Dieu? Est-ce avec joie ou est-ce sous l'effet d'une contrainte? La contrainte peut venir de dispositions que des hommes prennent. La contrainte peut venir de propos qu'on peut tenir. La contrainte peut venir d'organisations que l'on met sur pied. La contrainte peut venir même de l'émotion qui joue considérablement sur nos décisions. Dieu veut que nos cœurs soient dans la joie. Oui, la disposition de notre cœur, c'est ce qui prime par rapport à ce que nous pouvons apporter. Dieu nous veut venir donner dans la joie. Chers frères, chères sœurs, es-tu en train de contribuer avec joie, sachant que tu contribues à l'œuvre du Maître? À travers des hommes, à travers des organisations, à travers même des situations, Dieu t'invite à contribuer avec joie. Que ta générosité déborde. Que gagnons-nous, nous dit Paul, quand nous faisons des choses selon ce que Dieu dit? Il rappelle que celui qui fournit la semence au semeur, c'est celui-là qui continuera de veiller sur nous. Et ce que nous gagnons, nous le découvrons justement à partir du verset 11 de notre texte. Quand nous apportons, quand nous donnons,
sans regret ni tristesse, avec joie. L'apôtre Paul rappelle que nous devenons riches parce que le pourvoyeur nous enrichit davantage, parce qu'il sait que nous donnerons davantage. L'avarice est un péché, chers frères, chères sœurs. Dieu veut que nous soyons généreux parce qu'il a donné son Fils, Jésus. Il a fait don, ce qu'il avait de plus cher, pour que nous soyons sauvés. À notre tour, Dieu veut que nous soyons généreux. Les biens qu'il met à notre disposition, dont il nous fait gestionnaire, il les veut pour l'avancement de son royaume. C'est pour cela qu'il veut que nous soyons généreux dans ce que nous apportons. Lui, il nous rend riches. Ceux qui reçoivent nos dons expriment leur reconnaissance, adressent des prières de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'ils ont reçu. Et l'autre chose que l'apôtre Paul nous donne de comprendre, c'est que ceux qui reçoivent les dons adresseront des prières de reconnaissance à Dieu pour les donateurs. La troisième chose que l'apôtre Paul nous donne de comprendre, ceux qui reçoivent les dons loueront Dieu pour l'obéissance qui s'est exprimée par notre foi, la foi des donateurs. Ils loueront Dieu pour cela. La quatrième chose que l'apôtre Paul nous donne de comprendre, au verset 13 toujours, ils loueront aussi Dieu pour la largesse avec laquelle les donateurs ont partagé leurs biens avec eux. La cinquième chose que nous gagnons au verset 14, ils prieront pour les donateurs et ils traduiront ainsi l'affection qu'ils ont, qu'ils portent, parce que Dieu est passé par ses donateurs pour les visiter. Quand nous réalisons ce que nous gagnons en fait, donner généreusement nous procure plus de bien que nous le pensons. C'est pour cela que l'apôtre Paul rappelle justement à l'église de Corinthe qu'elle ne doit pas déroger à la règle, que le témoignage de sa générosité ne doit pas faiblir. Au contraire, ce témoignage doit aller grandissant. Chers frères, chères sœurs, qu'en est-il de toi? Vois-tu autour de toi ces personnes qui ont des besoins? Et regardes-tu ces besoins comme un appel que Dieu te fait pour que ta générosité s'exprime? As-tu pris conscience que ce que tu as vient de Dieu et il le met à ta disposition pour que cela serve à l'avancement de son royaume? As-tu conscience que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sèmes, parce que c'est lui qui donne la semence aux semeurs? Il attend juste que tu sèmes pour qu'il t'en donne davantage et que tu continues davantage de semer. Sais-tu que Dieu veut que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs? Sais-tu que Dieu veut que des hommes et des femmes élèvent des prières pour toi parce que tu auras été généreux et ces prières, Dieu les exaucera parce que tu auras fait sa volonté. Oui, chers frères, oui, chères sœurs, Dieu nous appelle à être généreux. La générosité est l'aide de Dieu. Et en tant que ses enfants, nous devions la pratiquer. Paul rappelle un principe important.
semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Dieu est juste. Dieu est juste, chers frères, chères sœurs. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Qu'est-ce que tu sèmes? Sèmes-tu la paix, la joie, la gaieté? Tu récolteras des choses semblables qui réjouiront ton cœur et qui réjouiront ta vie. Sèmes-tu la générosité? Tu récolteras les fruits de la générosité. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. L'action qui est menée en faveur des chrétiens de Jérusalem est une action concrète de la manifestation de l'amour qui doit régner entre les enfants d'un même père. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, les hommes voient-ils en toi cet enfant de Dieu qui œuvre dans le sens de ce que son père lui dit? N'aimons pas seulement en parole, mais aimons en acte. Soyons solidaires, soutenons-nous mutuellement et aidons-nous, parce que ce que Dieu met à notre disposition, il le fait pour les besoins de son œuvre. C'est pour cela que dans ce texte que nous méditons, la levée des fonds pour aider les frères de Jérusalem est une preuve de l'amour de Dieu qui existe et qui se manifeste entre des hommes et des femmes d'un même père. Chers frères, chères sœurs, Dieu nous appelle à œuvrer dans ce sens. N'oublions pas que nous sommes une famille. N'oublions pas que nous avons besoin les uns les autres. N'oublions pas que notre solidarité sera la marque, la preuve d'un amour qui se traduit par des actes. Dieu nous appelle à être généreux. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous montre que les voies qu'il a tracées pour nous sont des voies qui forcément contribuent à notre propre bien. Demandons au Seigneur de nous donner d'être généreux, obéissants, de nous donner, de manifester l'amour de façon pratique, de nous donner d'être de ceux qui procurent la joie aux autres. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand roi, parce que tu nous aimes. Nous te bénissons parce que tu nous rappelles que notre amour doit se traduire dans la solidarité. Notre amour doit se traduire dans l'entraide. Notre amour doit se traduire dans le souci d'aider l'autre, de venir à son secours. Donne-nous d'être généreux. Généreux pour ton œuvre et dans ton œuvre. Donne-nous d'être des instruments qui apportent la joie, le réconfort. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.